Pendant mes quatre festivals, ça a un pile grand jeu qui était club pour jouer dans l'autre club. Mais au Brésil, tout, il y a un pile grand jeu qui quittait Europe qui vient jouer dans le championnat Brésil. Nous avons compris qui est joué, et bien suivez la vidéo ça jusqu'à la fin, nous pour dire qui est joué ça qui vient jouer dans le championnat Brésil. Bonjour à tout le monde, nous sommes Meilleur Jean Albert, bienvenue sur le canal Poupa Meilleur pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo aujourd'hui, nous venons présenter plusieurs grands joueurs, au total de 5 joueurs qui quittent l'Europe et viennent jouer dans le championnat Brésil. Ça veut dire qu'il y a 4 qui sont en Europe et nous avons tout porté pour tout rumeur qui vient sur les joueurs qui sont en Europe qui viennent pour venir jouer dans le championnat Brésil. Si vous avez aimé mes vidéos, mes amis, vous voulez encourager notre travail, mettez un like en bas, ça veut dire nous en pile pour nous connaître que le travail arrive sous. Et si vous faites jouer avec nous, pas oublier, cliquez sur le petit bouton qui est marqué subscribe, mais s'abonner qui est en bas de la vidéo. Lorsque vous cliquez sur lui, vous avez un petit bouton, une petite cloche qui paraît. Cliquez sur la petite cloche là pour ne pas rater aucune autre vidéo à mettre. Lorsque vous cliquez sur la petite cloche là, vous avez 3 options, toutes personnalisées ou bien aucune. Cliquez sur toutes pour ne pas rater aucune vidéo à mettre, soit sur technologie, soit sur actualité ou bien conseil. Les amis, si vous avez regardé la vidéo, ça vous aura surtout pas passé. Tant pour nous service qui est passé, passez sa petite chaîne noire en pile en pile. Nous avons commencé la série ça avec Daniel Alves. Pour nous, le bon nom, c'est Daniel Alves da Silva. Il fait 6 mai 1983. Actuellement, le joueur a 36 ans sous tête. Vous connaissez joueur sa ligne dans Paris Saint-Germain. Dans Paris Saint-Germain, il joue 73 matchs. Il fait 8 goals. C'était latéral droit. Mais joueur sa tout, il passe dans Bahia, il passe dans Séville, il passe dans Barcelone, il passe dans Juventus. Actuellement, il est en contrat avec São Paulo. São Paulo qui a joué Série A brésilienne. Donc Daniel Alves, Kouniala, il va jouer dans São Paulo. Il quitte l'Europe, il va jouer dans São Paulo. Côté la potée numéro 10 dans le club. En tous les cas, à 36 ans, je a décidé pour le rentrer dans le pays. Il est toujours à jouer au football et il dit ça, c'est son choix sportif. En tous les cas, nous souhaitons lui bon succès dans São Paulo. Mais la grande question, est-ce que Daniel Alves prêt à jouer Coupe du Monde 2022? Il ne va pas oublier Léa a bien 38 ans sous tête. En tous les cas, le championnat brésilien a été très intéressant, mes amis. Si on monte à vous regarder, c'est la jouer en pile belle Philippe. Nous allons continuer la série jouer ça avec Felipe Luis. Oui, j'entendais à Felipe Luis qui a joué dans l'Atlético de Madrid. Actuellement, il a joué dans le championnat Brésil. Faut que nous nous bon nom, c'est Felipe Luis Kasmiski. Monsieur fait 9 août 1985. Et bien, actuellement, Felipe Luis a quitté l'Europe. Actuellement, il a joué dans le Flamengo. Il faut que nous nous disions qu'il a joué au Brésil déjà. Il a commencé sa carrière dans Figueirense. Après ça, il a joué dans Ajax. Il a joué dans Real Madrid Castilla. Il était joué dans la Corogne, il était joué dans l'Atlético de Madrid, il était joué dans Chelsea et il était retourné en 2019 dans l'Atlético de Madrid et dans la même année, ça, là, il a joué dans Flamengo. Il faut que nous nous disions qu'il a joué quelques matchs déjà. En tous les cas, nous souhaitons jouer à qui gagne 33 ans sous tête, bon succès dans le football et nous espérons que l'a fait un bel succès avec Flamengo. C'est une grande équipe, tout le monde connaît Flamengo au niveau international. Il est en joué Copa Libertadores, côté il était remonté là sous Emelec, c'est l'équipe Équateur. OK, il était battu 2 à 0 dans l'aller, dans retour, il était une équipe là tout fait 2 à 0 avec et puis dans tir au but, il est passé sous l'équipe Emelec. En tous les cas, nous souhaitons lui bon succès dans le club lui qui c'est Flamengo et nous espérons que il est 33 ans dans Coupe du monde là, il est 35 ans, probablement il capable toujours jouer Coupe du monde ça. En tous les cas, bon succès Felipe Luis. Et puis nous allons tomber sur le troisième joueur qui quitte l'Europe qui vient jouer dans le championnat Brésil. Nous allons continuer la série de joueurs qui sortent en Europe qui viennent jouer dans le championnat Brésil là avec Rafinha. Monsieur le Marcio Rafael Ferreira de Souza Cunha. Mais nous allons le Rafinha. Nous tous connaissons le joueur dans Bayern Dominique, mais il faut que nous disions que le joueur ça, il était passé dans plusieurs clubs en Europe. D'accord, chaque 04 de 2005 à 2010, il était passé dans Genoa de 2010 à 2011 et de 2011 à 2019, il était joué dans Bayern de Munich côté de jouer 265 matchs. C'est 8 saisons le passé dans l'équipe ça mes amis, il fait 6 goals avec l'équipe Bayern de Munich là. Mais actuellement, Rafael et Marcio Rafael Ferreira de Souza Cunha
qui c'est Rafinha, li en contrat avec équipe Flamengo à tout. On faut nous dire Flamengo li li gèt prend deux grands joueurs ça yo qui t'a joué en Europe qui c'est Felipe Luis avec Rafinha. En tous les cas, son grand joueur, nous connaissons déjà le passé des présentations. Nous souhaitons lui bonne continuité dans le football là. Nous faut nous dire il a commencé carrière li dans Coritiba, OK? Donc dans la première division dans pays Brésil. En tous les cas, nous souhaitons lui bon succès. À 33 ans, nous pensons qu'il y a un pile bagarre qui a fait dans le football toujours. Nous pouvons partir pour 4e joueur qui a joué pour nous dans le championnat Brésil. Nous allons continuer la série de joueurs qui sont sortis en Europe, qui viennent jouer au Brésil. Mais cette fois-ci, le joueur n'est pas sorti directement en Europe. Mais nous connaissons les joueurs en Europe dans Chelsea, qui c'est Ramírez. Bon nom, c'est Ramírez Santos do Nascimento. Ramírez fait 24 mars 1987, il a 32 ans seulement sous tête lui. Parmi tous les jeunes qui ont été présentés là, c'est l'équipe qui est plus jeune là-dedans. Ok? Faut nous dire que Ramírez lui-même, il a joué dans Jiangsu Suning, qui est dans le pays de la Chine. Et actuellement là, il a joué dans Palmeiras. Palmeiras qui est deuxième actuellement dans le championnat pays Brésil. Faut nous dire que Ramírez a commencé à jouer dans Joinville, dans JEC, qui est le club dans la ville côté nous là, nous-mêmes actuellement. Et l'Italie joue tout dans Cruzeiro. La descente dans Cruzeiro, l'Italie joue dans Benfica, dans le pays Portugal. Et après, l'Italie joue dans Chelsea. La descente dans Chelsea en 2015. Ok, 2016-2019, il a joué en Chine dans Jiangsu Suning. Actuellement, Ramírez a joué dans Palmeiras. Il a joué un match pour Palmeiras déjà dans le championnat brésilien. En tous les cas, nous souhaitons Ramírez bonne chance. Mais mettez dans le commentaire, est-ce que tu as aimé Ramírez sous couleur équipe Brésil là à jouer dans la sélection encore. En tous les cas, chaque monde a une opinion par nous, mes amis, à nous respecter l'opinion de l'autre. Nous avons quitté le joueur en dernière position justement parce que monsieur c'est un Européen. Nous connaissons bien, il est One Fran, il a joué dans l'équipe Atlético de Madrid là, de 2011 à 2019. Actuellement là, même avec Dani Alves, One Fran a gagné un contrat avec São Paulo. One Fran il quitte l'Europe, il vient jouer dans le championnat Brésil là. Seule question nous avons posé Kounia, parce que One Fran c'est latéral droit, il vient jouer dans São Paulo. Et Dani Alves lui-même tout, il c'est latéral droit, il vient jouer dans São Paulo. En tous les cas, nous ne savons pas qui est ce titulaire là-dedans. Mais nous connaissons déjà One Fran, il passe de présentation. Il était joué dans Real Madrid Castilla, il était joué dans Real Madrid de 2004 à 2006, pour les gens qui ne parlent pas comme ça. Et il était joué tout dans Atlético de Madrid. En tous les cas, nous souhaitons lui bonne chance dans le pays Brésil. Nous souhaitons qu'il fasse succès avec São Paulo. En tous les cas, nous étions là pour nous suivre. J'aime déjà le championnat Brésil, il est venu de plus en plus intéressant. Mais ce n'est pas ce joueur ça, qui est en officiel là seulement, qui est venu au Brésil. Il y a des rumeurs qui ont mené quelques gens qui sont en Europe au Brésil. Par exemple, nous avons une rumeur qui vraiment parle en pile là au pays, dans le pays Brésil, qui c'est et joueur ça numéro 9 ça qui a joué dans l'Olympique de Marseille, qui c'est Mario Balotelli. Tout le monde connaît Mario Balotelli, Super Mario. Eh bien oui, il a annoncé que Michel lui-même tout il a venu jouer dans Flamengo. Flamengo qui t'a pris deux Européens, São Paulo qui t'a pris deux Européens. Les nous dit Européens c'est joueur qui t'a joué en Europe. Ça va vous dire que next ça c'est Européen. C'était un plaisir mes amis pour nous porter toute liste joueurs ça pour qui a joué dans le pays Brésil actuellement. Pas oublier mes amis, si vous avez aimé mes vidéos, vous voulez encourager nous, si mettez un like en bas vidéo et si vous faites la chaîne YouTube, nous faut que nous sur chaîne YouTube ça nous pas parler seulement d'information football, mais nous parler de tout, de technologie et nous parler tout de conseils et nous parler d'actualité en Haïti pour l'autre bord. Pas oublier seule façon qu'à rester connecté avec nous c'est cliquer sur le petit bouton ça qui marque subscribe ou bien s'abonner. Lorsque vous cliquez sur subscribe là, vous abonnez pour une petite cloche qui paraît, cliquez sur cette cloche là. Lorsque vous cliquez sur cette cloche là, vous avez trois options. Toutes, aucune ou bien personnalisées. Cliquez sur toutes, comme ça, vous ne pouvez pas rater aucune de la prochaine vidéo que nous allons mettre. Mes amis, à la prochaine pour l'autre vidéo. Mais j'en ai toujours dit ça. Football gagne pour le passé et tout monsieur ça nous sommes titulaires là, tout gagne pour le passé. Son seul barrière qui a prêté, c'est Namio. Et vous même tout son seul barrière qui a prêté, c'est Namio. Préparez Namio pour tout Christ là, son barrière qui est essentiel. Donc faites ça le plus rapide que possible. Et puis à la prochaine pour notre vidéo. Pas oublier, nous quittons une minute là pour nous passer belle image de Haïti. Donc partagez la vidéo ça, soutenez l'autre nation et belle image de Haïti. Ciao, ciao, à la prochaine.